Dans cette troisième capsule qui porte sur la réalisation d'un moule de presse rame, nous allons voir comment plâtrer le modèle dans l'anneau de départ. Pour cela, nous aurons besoin de poterie plaster, de savon à moule et d'un pinceau, d'un ébauchoir pour appliquer le plâtre, d'une plaque de métal au coin arrondi sur 1 mm, d'un pinceau au poil dru afin de nettoyer le modèle et de papier sablé. Bon, je viens de terminer mes trois savonnages sur le prototype et sur mon anneau de départ, en dessous, partout. Très important de savonner trois fois. Alors là, je vais fixer mon modèle sur mon anneau de départ en ajoutant un plâtre. Puis je vais utiliser une petite plaque aussi avec un petit coin rond. Il y a un petit coin rond ici parce que le bord de la ligne de division de moule de presse, il faut qu'il soit arrondi un petit peu pour ne pas casser quand on presse des morceaux. Alors, j'ai préparé mon plâtre. Je vais tout simplement venir en rajouter tout le tour. C'est sûr, le plâtre va épaissir. Là, il est très clair, mais à un moment donné, il va se solidifier. Puis je rajoute de l'eau sur le plâtre, ça le rend un petit peu plus dur. Puis ça va être suffisamment solide pour être capable de couler, mettre mon grillage par-dessus puis couler la partie de moule. Là, ça fait que là, j'y vais par étapes parce que mon plâtre, je l'ai fait relativement clair pour pouvoir être capable d'en mettre partout sans qu'il fige trop vite. Pour remplir le plâtre, ça va être bien. Moi, je trempe tout le temps ma petite plaque dans l'eau. Je vais laisser durcir mon plâtre un peu, puis après ça, je vais venir refaire une finition puis enlever le plâtre qui est resté sur le prototype. Alors, mon plâtre a séché. Là, je suis en train de faire une petite finition. Puis, une fois que ça va être fait, bien, je vais mettre l'anneau séparateur plus l'anneau qui va être utilisé pour faire le moule initial. Alors voilà, le modèle est maintenant fixé dans le moule initial et cela complète cette capsule.
Merci à Richard Lambert. Ces vidéos sont financées par la Maison des métiers d'art de Québec, le Cégep Limoilou et le Centre de formation et de consultation en métiers d'art. Je vous laisse sur une discussion informelle entre Richard et moi sur la façon d'y prendre pour mouler des formes qui sont plus profondes que l'exemple qu'on a devant nous. Qu'est-ce qu'on ferait sans théorie? Je sais bien qu'on ne pourrait pas faire un moule de pressage avec une forme comme celle-là. Mais qu'est-ce qu'on ferait avec une ligne de division qui serait élevée comme ça? Rajouter de l'argile. Donc, on pourrait ajouter de l'argile. Tu ne peux pas creuser plus que l'épaisseur de la rondelle en profondeur. Oui. Parce que c'est ça. Mais disons, théoriquement, on calerait le Bouddha jusqu'à la ligne de division. Puis on rajouterait de l'argile. C'est ça. Tu cales ça le plus creux à niveau. C'est pareil qu'on avait des plats à zinc, disons, qui remontaient comme ça. Oui. Ça fait qu'on virait le plat à l'envers. On calait, mettons, un demi-pouce les bouts qui étaient en haut, là. Puis après ça, on rajoutait de l'argile sur le reste.